capitale européenne du Street Art Fest. Depuis un mois, la cité alpine et plusieurs villes de l'agglo voient leurs façades s'orner de nouvelles peintures monumentales. Le 7e Street Art Fest s'achève dimanche et malgré les restrictions sanitaires, des artistes de renommée mondiale ont répondu présents. Damien Borelli avec Florine Eba. Bientôt le dernier coup de pinceau. Après deux semaines juché sur sa nacelle, Seth achève une nouvelle peinture monumentale à Fontaine. Il y a 4 ans, cet artiste avait déjà peint 2 enfants sur ses façades jumelles, mais un récent ravalement les a fait disparaître. Cette nouvelle œuvre sur l'innocence de l'âge tendre laisse libre cours à l'imagination. C'est un peu la base de mon travail, essayer de jouer avec le lieu, avec le contexte, ouvrir un peu... entrebâiller des portes que les gens vont ouvrir en essayant d'imaginer, parce que tout le monde me demande qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, est-ce qu'ils se regardent, est-ce qu'ils se parlent, c'est à vous d'imaginer et de faire votre propre histoire par rapport à ça, quoi. Venu exprès de Franche-Comté découvrir le Street Art Fest, cette famille est fan du graffeur parisien. Okay. C'est assez poétique. Il y a le petit garçon qui est plus dans une partie nuit, la petite fille qui est plus dans un jour, un peu côté ensoleillé, donc c'est super joli. Autre lieu, autre tableau géant. En lisière de Grenoble, la cité Gallieni voit ses murs se parer de couleurs. 7 façades ont déjà été décorées, les habitants en redemandent. Cette semaine, ce sont 2 as du trompe-l'œil, le néerlandais Leon Kerr et l'italien Pita, qui ont démarré de nouvelles peintures. Le festival séduit de plus en plus de collectivités avec des œuvres engagées, à l'image de cette magnifique fresque signée du Chilien Inti. On a bien la preuve par l'engagement des municipalités que oui, ça intéresse, oui, le street art, ça s'adresse à tout le monde, oui, c'est un art accessible. Bon, voilà, il y a des messages écologiques forts qui ne sont pas forcément visibles du premier coup d'œil, mais quand même, à chaque fois, les artistes, en plus de faire du beau, peuvent aussi faire de l'intelligent. De Saint-Martin-d'Hères à Échirolles, de Pont-de-Clé à Hébin, une grande partie de l'agglo grenobloise se transforme peu à peu en musée à ciel ouvert. Le Street Art Fest est en passe de devenir le plus gros festival européen du genre. Sa 7e édition s'achèvera le 4 juillet.